Téléspectateurs, téléspectatrices de Celles et Lumières, pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, nous sommes rassemblés pour l'Eucharistie pascale, recommandée par la succession Caron pour Madame Coulombe Caron. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Vous êtes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il peut nous arriver parfois de croire que l'annonce des merveilles de Dieu est réservée seulement à quelques-uns. Tournons-nous vers le Seigneur pour lui demander la force et le courage d'être ses témoins fidèles. Seigneur Jésus, de qui vient tout don parfait, prends pitié de nous. Ô Christ, de qui vient l'amour en plénitude, prends pitié de nous. Seigneur, de qui vient le pardon sans mesure, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous accueille avec bienveillance, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promis aux apôtres l'Esprit Saint, ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul repartit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, possédant bien les Écritures. Il avait été instruit de la doctrine du Seigneur. Plein d'enthousiasme, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il ne connaissait comme baptême que celui de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Mais quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus d'exactitude la doctrine de Dieu. Comme il voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services aux croyants par la grâce de Dieu. En effet, il réfutait vigoureusement les Juifs en public en démontrant par les Écritures que Jésus est le Messie. Parole du Seigneur. Des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le Grand Roi sur toute la terre. Car Dieu est le Roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Le roi de l'univers, c'est Dieu. Alléluia.
Christ est venu dans le monde. Maintenant, il quitte le monde pour aller vers le Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous demandez quelque chose à mon Père, en invoquant mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en invoquant mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, vous serez comblés de joie. » J'ai employé des paraboles pour vous parler de tout cela. L'heure vient où, sans employer de paraboles, je vous annoncerai ouvertement tout ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en invoquant mon nom. Or, je ne vous dis pas que c'est moi qui prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vraiment vous m'aimez. Et vous croyez que je suis venu d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Frères et sœurs, dans le Christ vivant, à la première lecture des Actes des apôtres, après avoir évoqué le nom de Paul, ce fulgurant évangélisateur, nous est présentée une autre figure, un aussi brillant disciple, Apollos. Éloquent, il enseigne avec exactitude ce qui concerne Jésus, sauf sur un point, remarqué par Priscille et Aquila, qui ne manquent pas de le reprendre. Cet enseignement a une double portée pour nous-mêmes. D'abord, chacun et chacune de nous doit prendre sa part de responsabilité comme témoin de Jésus, avec confiance, selon ses charismes, ses moyens propres. Parfois, on se pense si petit. Non, Dieu passe par chacun d'entre nous. Deuxièmement, il faut avoir l'humilité de se laisser interpeller et instruire par les uns et les autres. Nous formons mystérieusement, ce qui veut dire profondément, mais réellement, le corps du Christ Jésus. Et chaque membre est unique, important, a sa fonction propre. Combien ne sommes-nous pas bénis, par exemple, par l'élection du chaleureux nouveau pape François? Tout chrétien, selon sa vérité, est porteur de bons fruits. À l'Évangile, une question se pose. Pourquoi Jésus insiste-t-il tant sur le fait de demander quelque chose en son nom? Sur ce point, frères et sœurs, il faut faire attention. La prière de demande peut être pernicieuse et teintée de nos propres petits intérêts, comme si Dieu était une machine distributrice, un magicien ou un Père Noël. Image spirituellement immature. Mais voilà, toute prière, d'abord, selon l'exhortation de Jésus, est une demande de nous amener à nous tourner vers lui, à connaître tranquillement une incontournable purification du cœur, semblable à la prière de Jésus,
Que ta volonté soit faite. Cette prière qui fait le bonheur du Père. Alors appliquons-nous à tout demander finalement au nom du Christ, à Dieu qui connaît tous nos besoins et nous veut plus que nous notre plus grand bien. Dieu nous aime. Notre Père, donne-nous notre pain quotidien et que ton règne vienne. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, le bienheureux Jean-Paul II, le saint frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec grande confiance maintenant que nous disons la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu es tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien accord, le sang de Jésus-Christ dans cette coupe, nourrissant de la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, vos foyers et vos malades, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.